C'est un acte de violence qui résonne comme un avertissement envers les tenants de l'opposition. En Russie, un militant a été roué de coups dans la nuit de dimanche à lundi. Egor Yukov, blogueur et poil à gratter du régime populaire sur les réseaux sociaux, a été attaqué près de chez lui à Moscou par deux inconnus qui ont ensuite pris la fuite, selon son équipe. Il est évident que cette attaque relève de représailles politiques liées à l'activité professionnelle d'Egor, explique ce membre de son équipe. Au cours des 18 derniers mois, Egor Zoukov, en tant que blogueur politique, qui postait des vidéos sur YouTube et qui a de nombreux abonnés, a sévèrement critiqué les autorités russes avec une position politique libertaire. L'an dernier, Egor Yukov avait été arrêté et accusé d'avoir organisé des troubles de masse lors des manifestations d'ampleur qui s'étaient tenues à Moscou. Son cas avait suscité un élan de mobilisation, mais le jeune homme a été condamné à 3 ans de prison avec sursis pour extrémisme lors de son procès et à une interdiction de gérer un site internet après son appel à lutter fermement contre le pouvoir en place lancé dans ses vidéos.